Adjugé 450 millions de dollars, soit 382 millions d'euros, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci devient la toile la plus chère du monde. Le dernier tableau du peintre italien, encore en possession d'un collectionneur privé, a été vendu en 19 minutes. Les enchères débutées à 59 millions d'euros se sont envolées, suscitant les acclamations du public. La vente s'est résumée à un duel entre deux acheteurs anonymes donnant leurs ordres par téléphone. Estimée à 85 millions d'euros par la maison d'enchères Christie's, cette toile de 65 cm sur 45 a été vendue pour l'équivalent de 50 euros seulement en 1958, avant d'être authentifiée en 2005. Peint autour de 1500 par Léonard de Vinci, le tableau a longtemps été la propriété des rois d'Angleterre, avant de disparaître. La toile refera surface à la fin du 19e siècle. Le Salvator Mundi, le sauveur du monde, n'en a pas fini avec son destin.